Bonjour, on est à la Sky Gold Rush pour RTV et on est aux Ardentes. Le monde du voyage, etc., c'est vraiment un univers qui ressort dans les chansons. Et en général, les gens disent que voilà, ça fait penser aux grands espaces américains. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment fondé dans le sens où c'est vraiment un univers qui nous parle. On n'est jamais parti ensemble là-bas avec le groupe, mais voilà, chacun, on a pu avoir nos expériences là-bas. Franchement, ce qui m'intéresse le plus, et ça se ressent aussi dans les textes de temps en temps, c'est vraiment les limites, les villes fantômes, les bleds paumés. Du sud des États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et voilà, donc clairement, on parle de ça dans les chansons. Le rêve ultime, même si voilà, c'est pas encore réalisable du tout, mais ce serait par exemple d'aller tourner justement aux États-Unis ou quelque part comme ça. Et effectivement, on s'en fout en fait. Nous, on a vraiment, on essaie en tout cas d'avoir ce côté spontané. C'est ça qui nous plaît en fait. Donc voilà, s'il n'y a pas ça, il y a peu d'intérêt. Ce qu'on a sorti en fait jusque maintenant, c'est un premier EP il y a déjà quelques temps, et puis maintenant un maxi tout début de l'année. On est toujours en train de composer des morceaux. On va bosser pas mal cet été. On va retourner en studio pendant le mois d'août et tout ça. On essaye voilà, de toucher les gens via un single, et puis bah, voilà, un deuxième single, puis un troisième single, et puis pas spécialement d'album. Donc il n'y a plus vraiment de règles par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Et on bosse là-dessus, on verra ce que ça donne, quoi. Des nouveaux morceaux à venir, ça c'est sûr. Joyeux anniversaire. Les Ardentes. Et bonne année.